Coucou tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Impact Winter avec notre ami Jacob et les survivants, Wendy, Maggie, Blaine et Christophe. On va essayer d'avancer l'histoire, il nous reste 26 jours avant d'être sauvé, avant d'être secouru. J'ai une manette, enfin, et c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus simple pour se déplacer. Donc on va alimenter tout de suite le feu, il nous reste 50%. 54. On va mettre une petite planche. On va brûler des petites choses. 92. Allez, on va se mettre à 94%. Ok. Et on va sortir de l'église. Ok, on est dehors. Donc, alors, pour accéder au menu, voilà. Ok. Au niveau des événements. Fabriquer des pièges. Ok. Donc il nous faut des trombones et des bardeaux en bois. Des trombones, il me semble qu'il y en avait chez... Où est-ce qu'il nous indique d'aller? Ouais, là-bas. Dans la maison de Wendy. Je me souviens que dans les tiroirs, il me semblait qu'il y avait des trombones. Donc on va aller voir pour ça. Donc je vous confirme, avec la manette, c'est beaucoup plus simple de jouer. C'est vraiment plus simple et beaucoup plus pratique. Beaucoup plus fluide, on s'embête vraiment moins. Allez, on y est presque. J'adore toujours cette animation dans la neige, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Alors ici, il y a une autre maison. Help, on sent. Nouveau lieu découvert. Allez, on entre dans la maison. Ok, on est dans la maison. Alors... tuyaux, pour en avoir besoin. Alors, Y pour le déplacement rapide. Les boulons, on va prendre. Ok. Mais comme vous le voyez, je galère beaucoup moins. Le miroir, on va le prendre, ça peut toujours servir. Petit tuyau. Ça c'est bien. Alors, est-ce qu'on peut aller dans... équipe bricolage. Piège à rats. Voilà. Couverture en polaire, ça peut être bien pour faire des lits. Chaussures, on va tout prendre, hein. On pille. Nous sommes des pilleurs, des scavengers. Alors, petit boulon, petit tuyau. Trombone. On va prendre miroir de poche, réveil pour le moment, il n'y a pas besoin. Oh, il y a un homme mort. J'avais pas vu. Bah, barre de céréales, je suis désolé, mais... plus trop de céréales, l'ami. Mouchoir, analgésique, on en a déjà pas mal. On va prendre au cas où le mouchoir aussi, ça peut toujours brûler. Des gants... bouton. On va prendre le bouton et les lacets, ça peut servir. On va prendre la paire de gants. Ok, on va remonter, on va ramener tout ça à l'église. Ce sera déjà ça de prix.
J'espère qu'au niveau du son, au niveau de ma voix, vous m'entendez suffisamment, parce que je suis un peu plus éloigné du coup du micro, comme je suis avec la manette. Allez, c'est parti, on retourne à l'église. On reviendra, hein, y a encore pas mal de choses à explorer dans cette maison. On a déjà trouvé le trombone, il va nous manquer plus que le bardeau en bois pour pouvoir finaliser notre piège à rat. Allez, on va rapporter tout ça. Je pense qu'avec le bouton, les lacets, on peut bricoler quelques trucs. Enfin bon, ils ont l'air bricoleurs quand même. Je pense qu'ils sauront se débrouiller avec ça, et puis au pire, ça fera des choses à brûler qu'on pourra mettre dans la chaudière pour alimenter le feu au moins pendant quelques minutes. Ok, allez. On va déposer tout ça. Alors. Non, j'aurais voulu garder. Ça, il va falloir qu'on pense à manger aussi, nous. À un moment ou à un autre. Alors, boulon, de l'eau, on a besoin d'eau. Qu'est-ce qu'on a encore? Haricots, barre de céréales. Manger, on est encore bas. Je vais boire. Ok. On est ressorti de l'église. Alors, ah, ça y est, il y a encore quelqu'un qui s'introduit. Qu'est-ce qu'il nous a volé? Blessure de pillard. Wendy a dérangé le pillard, lui infligé une blessure. Sa santé a diminué, son moral est en berne, et reprendre le travail est impossible. Ah, ça, c'est pas cool. On va aller voir ce qu'on peut faire pour Wendy. Alors vous étonnez pas, pour éviter de perdre du temps, enfin de... pour pas vous embêter avec les temps de chargement, je fais des petites coupures au montage. Et je pense que pour les déplacements à travers la neige, pour éviter de vous laisser regarder pendant 5 minutes la traversée dans la neige, je ferai des accélérations aussi. Alors ce pillard m'a fait mal. Bon, on va lui donner, on va la soigner la pauvre. Succès. Et en plus, on prend 150 points de sauvetage. Très bien. Allez, dépêchons-nous. Ok. Donc là, on va retourner à la maison, voir un petit peu ce qu'on peut récupérer d'autre. Et donc je vais accélérer le passage. On se retrouve là-bas. Je vous dis à tout de suite. Ok, on est de retour dans la maison, donc là, dans cette pièce, on avait pris tout ce qu'on voulait. Ici, on avait laissé des choses. On va prendre au cas où. Peut-être que dans cette armoire... Peut-être pas aller voir jusque là... Si. Le réveil, ça peut-être servir. On va le prendre. Ici il n'y a rien. Ici les graines on va prendre. On va prendre tous les boulons, tuyaux, ce qui peut servir à bricoler. Il
Pas sûr que le stylo ça serve, mais bon. Ok. Là, ils ont complètement blindé la cuisine, on peut pas y aller. Ah, des petits câbles. Très bien. Il y a des souris qui traînent. Je pense que ça a déjà été pas mal pillé par ici. Alors, bougie. Essence vide. Ah, bardeau en bois. Allez Brigitte, on y va. Canne à pêche, fil de pêche, panneau vitré. Oui, je sais, c'était pourri. J'en ai conscience, c'est déjà ça. Bombe aérosol. La planche, on va l'emmener. La mettre là. Le grillage 3x3. Peut-être pas besoin de tout ça. Le stylo, la brosse. Ok. On va faire de la place pour prendre le grillage. Alors, est-ce qu'on peut faire pivoter comme ça, ok. Ouais, bien. Ça, c'est quoi un manche à balai et un morceau de corde, ok. Allez, barrez-vous les rats. Eh bien, on va ramener ça à Blaine pour qu'il nous fasse notre piège à rats. Nous voilà sortis, c'est la nuit, donc on va retourner à l'église, on se retrouve là-bas. Ok, alors Blaine, où est-ce qu'il est? J'en vais peut-être aller reposer tout ça. Ok. Blaine, mon ami Blaine. Alors, qu'est-ce qu'on lui a mis? Le moral, ok. Trail de précision. Ça me plaît bien. Bricolage. Piège à rats, s'il te plaît. Wendy, est-ce qu'elle peut? Alors, faut qu'elle se repose, qu'elle mange. Le moral est pas très haut. Donc on va lui mettre sommeil lourd. Et bricolage, on peut rien faire. Il va vraiment qu'on trouve de falloir qu'on trouve de quoi se nourrir. Alors,
Stockage niveau 1, il nous faut une passoire, ok. La foreuse thermique, câble USB, élément chauffant, ok. Blaine, il va avoir fini. Très bien. Allez, on est presque au niveau 6. On peut zoomer comme ça, d'accord. Hop. Alors, quand l'astéroïde est tombé, je me suis réfugié dans une grotte. J'ai mangé du rat pendant des mois. Je me souviens plus où elle est exactement, mais c'était pas trop loin de l'église, vers le sud-ouest. J'ai ajouté des instructions dans ton carnet. Prends tous les pièges à rats dans la réserve et trouve ma vieille grotte. Montre-nous que tu sais chasser les rongeurs, petit. Ok. Alors. Piège à rats. Ok, on a les 5 pièges à rats. Par contre, entre nous, je pense que ça, je vais le redéplacer. Ok. On va remettre un peu de bois. Quoi qu'il y en a pour 20h. C'est 2h du matin. Ok, donc c'est bien ça. Bouton. Tout sert à alimenter. On va mettre les petites choses. Le bout de corde aussi. Le lacet. Et le pied de table. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est là, c'est d'aller chercher à manger pour l'équipe. Ok, on arrive dehors. Du coup, on va retourner dans le quartier. Le quartier des maisons. On se retrouve là-bas. Je vais aller chercher à manger parce que là, ça devient urgent pour toute l'équipe. A tout de suite. Ok, on est de retour au 12. Ah non, ah non. Wendy, pardon. Elle habitait au 6, pas au 12. Il y a du monde ici. Il n'y a rien dans le sofa. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. L'un des nôtres est gravement malade, a besoin de fournitures médicales. Oui? Antibiotiques, il faudrait qu'on ramène des antibiotiques. Très bien. Ce qui veut probablement dire qu'il n'y aura pas d'antibiotiques ici. Et on va rien trouver non plus. Ils ont déjà tout pillé. Ah bon sang. Mauvaise pioche pour cette maison. Je suis désolé les amis, mais notre survie avant tout. Élément chauffant, très bien.
On a besoin. Alors, lampe torche. Vitamine, on va prendre. Comprimé énergétique, ça peut être pas mal. Analgésique. Alors. Oui, je suis un pilleur et ça me gêne pas. En même temps, faut survivre. Donc il faut ce qu'il faut. J'ai dit que j'étais venu là pour nourriture avariée, tant pis. Un fusible là. Alors, antibiotiques. Et vous savez quoi? On va retourner jusqu'à l'église. Et au prochain épisode, on rapportera les antibiotiques ici. C'est parti. Ok. Alors on va déposer tout ça. Les pièges à rats, on s'en occupera plus tard peut-être. Allez, on va tout poser. On va tout poser. Est-ce que... alors... Ok, elle peut rien nous préparer. Oula, il a plus rien lui. À devenir tendu. Là, là, de l'eau. Ouais, je suis désolé, j'ai rien de plus. Ah, les antibiotiques, avant d'oublier. On n'en a pas. Ok, comme ça c'est fait. Bon, et bon, on verra ça dans notre prochaine exploration. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusque-là, on va s'arrêter là. Si jamais la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour la suite des aventures de Jacob et sa troupe. A très vite, je vous fais des bisous, bye bye.